Bonsoir, donc je suis Laurent, j'étais venu au dernier talk, dernier meet-up pour faire un talk sur les domaines Node.js. Et avec l'équipe Node.js Paris, on a inventé le talk à Cliffhanger, puisque j'ai terminé la dernière partie. Et donc ce soir, heureux participant, je viens vous raconter la suite. Je ne vais pas refaire le talk de la dernière fois, donc je vais vraiment passer rapidement. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un blog post où je raconte ce qu'il y avait dans le talk de la dernière fois. Donc les trucs que je ne vais pas redétailler ici, il y aura soit la vidéo, soit le blog post où je posterai l'URL dans le meetup. Je vais quand même repasser un petit peu sur ce que j'ai dit avant, et du coup j'ai fait une version un petit peu raccourcie. Donc, super. Mon talk, en fait, ce que je racontais, c'était la première chose, c'est que quand on développe une app, différents programmeurs vont chercher à utiliser différentes choses. Tous les projets ne se ressemblent pas. Moi, sur les projets sur lesquels je travaille, ce qui m'intéresse, c'est que mon projet soit débuggable. C'est-à-dire, la concision, c'est important, mais pour moi, c'est pas si important que ça. Ce qui est important pour moi, c'est que je travaille dans une petite équipe où il y a des gens qui sont devs, des gens qui ne sont pas du tout devs, enfin, dans leur métier, pas du tout de programmer. J'ai besoin de faire en sorte que je puisse m'insérer dans une roadmap, j'ai besoin de faire en sorte que les problèmes qu'on va rencontrer, je puisse en gros fixer une borne supérieure autant que ça va me prendre à corriger. Si j'arrive à faire ça, toute mon équipe va mieux. Quand Node.js est sorti, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que pour moi, ça rendait toute une classe de problèmes qui était... qui pouvait générer des bugs qu'on arrivait à fixer soit en 2 heures, soit en 3 semaines, ces problèmes-là devenaient maintenant débuggables. Alors de quoi je veux parler? Je veux parler des problèmes de concurrence. Et je veux parler de ce qui est thread, mutex, où la théorie n'est pas très très compliquée. Le problème, c'est que quand on a un problème de thread, après on sait pas du tout comment l'aborder. Pourquoi Node était intéressant? Parce que votre code s'exécute dans un seul thread, ce qui fait que tout un pan des problèmes que naturellement vous n'avez pas à faire parce que c'est des outils auxquels vous n'avez plus accès. Là c'est un exemple extrêmement simple, c'est un serveur juste qui permet de voter. Si vous voyez, il y a 2 compteurs pour le vote A ou le vote B, puis il y a un tableau où on va stocker tous les gens qui ont voté avec qui on pourrait, par exemple, empêcher les gens de voter 2 fois. La modification dans la collection, on va la faire en 2 temps, on va d'abord modifier le tableau, puis ensuite modifier le compteur. Ce qui est bien avec Node, c'est que tant que vous n'avez pas rendu la main, rien d'autre ne va se passer parce que vous êtes sur un seul thread. Et du coup, vous êtes sûr que vous pouvez modifier vos collections sans vous préoccuper de rien, puisque personne ne va aller la modifier pendant ce temps-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème de concurrence en Node, mais par contre, il y a pas mal de problèmes qui disparaissent. Un truc très important, c'est que l'ordre dans lequel votre programme s'exécute n'est pas influencé par les logs, alors que souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on a un problème de concurrence, et puis quand on essaye de rajouter des bugs, le problème disparaît, ou le problème ne se produit pas en dev, et se produit qu'en prod, donc c'est des trucs où on peut s'arracher les cheveux. Le problème, c'est que finalement, quand on pratique un peu Node, on s'aperçoit qu'il n'apporte souvent pas assez de contexte. Et pas assez de contexte, ce que j'entends par là, c'est que... alors, je ne parle pas de contexte au sens technique, je parle vraiment de pouvoir savoir... Ok. Ça ressemble de plus en plus à une soirée karaoké, c'est peut-être. Donc c'est vraiment au sens, il y a une erreur, comment est-ce que j'ai pu me retrouver là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. C'est-à-dire ça, c'est une erreur que vous pouvez avoir en prod. En gros, ce qui se passe, c'est que vous avez une socket TCP quelque part dans votre projet qui a lancé un événement que vous n'avez pas rattrapé. Et du coup, il y a tout votre serveur qui crash. Il vous dit pas de quelle requête il s'agit, il vous dit absolument rien. Et là, c'est un petit peu... comme si Ryan Dahl était venu personnellement vous gifler, c'est à peu près ça que ça veut dire.
même en fait, qui est un outil qui a été rajouté il y a maintenant un an, qui est une manière de rajouter du contexte arbitraire dans votre app. Si vous allez dans la doc de Node.js, vous verrez que c'est écrit d'une manière complètement différente, mais moi c'est comme ça que je le comprends. Et armer des domaines, en fait, je trouve que Node devient une techno vraiment, vraiment très intéressante pour notamment des startups, parce que ça rassemble trois choses. Un, ça permet d'avoir vraiment à la fois une équipe technique qui bosse en partenariat avec une équipe business où les deux peuvent se comprendre parce que l'équipe technique est capable de faire des promesses à l'équipe business en disant telle feature sera réalisée tel jour, tel bug sera corrigé tel jour. Ça ne veut pas dire que ça va forcément plus vite, mais déjà si. Mais surtout, ça permet de dire voilà, ce truc-là, la semaine prochaine, on n'entendra plus parler. Et après, il y a tous les autres trucs qui est que bon, les performances sont correctes et il y a l'écosystème d'NPM qui permet d'aller éventuellement prototyper des choses. Qu'importe la qualité du module au final, il y en a certains qui sont très bons, il y en a certains qui sont moins bons, mais dans la mesure où on peut aller expérimenter des choses, les sortir en production, puis après se dire ok, on sait que cette feature est utile, mais le code il est pourri du module, donc on va le refaire, c'est vraiment quelque chose de super adapté. Si je donne juste... Si je donne la manière dont moi je décrirais un domaine, là encore c'est assez différent de la définition technique, c'est un tag qui se promène, qui se propage dans des calls async. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous recevez une requête, vous commencez à faire des calls asynchrones, on fait tout le temps en Node, comme par exemple aller interroger une base de données, aller chercher quelque chose sur un fichier, aller écrire un log quelque part. Du point de vue de V8, tous ces callbacks asynchrones qui vont se produire dans votre app, ça va être des choses qui seront isolées. Et du coup, lui, il va juste voir une succession de calls asynchrones. Note, les domaines vont vous permettre de les grouper par tâches logiques qui ont du sens pour vous. Et je ne sais pas si vous avez une app express qui va processer des requêtes en série. Vous allez pouvoir rassembler ensemble tous les callbacks qui se rapporteront à une requête. Ça veut dire que si l'un des callbacks génère une erreur, alors vous pouvez remonter à la requête initiale. C'est présenté vraiment comme un mécanisme de gestion d'erreur. Et là où j'en étais arrivé la dernière fois, c'est que nous, en fait, on s'en sert pour beaucoup de choses, pour beaucoup plus que ça, parce que la connaissance de... en gros, ça permet d'expliquer à Node comment notre app fonctionne. Un petit exemple, juste pour qu'on voit un tout petit peu de code de domaine ce soir, même si c'est pas forcément le propos. En gros, tout bêtement, là ce qui se passe, c'est que on appelle trois fonctions qui s'appellent FreeKBI avec trois paramètres différents. En gros, si jamais la fonction elle va faire un set timeout, et ce qui se passe, c'est que si jamais vous avez un problème qui se passe, vous ne pouvez pas savoir lequel des trois appels a créé le problème. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'accroche un domaine dans lequel, je le fais pas, mais je pourrais mettre n'importe quoi pour retrouver, je pourrais mettre par exemple le paramètre que j'ai passé là, si jamais j'ai un crash pour trouver mon paramètre. Donc c'est vraiment ça. L'usage de base, c'est dans un middleware express, chaque fois qu'il y a une requête qui rentre, bah le middleware va accrocher la requête à un domaine et tout ce que va générer la requête sera processé, enfin on sera capable de retrouver, de remonter systématiquement à la requête qui a créé le problème. Alors le truc sur lequel je voulais conclure, c'est des applications dans le monde réel et plus particulièrement dans le produit que je fais qui s'appelle Front. Pour vous en toucher deux mots, Front c'est un client mail collaboratif. L'idée de base c'est que les mails en fait c'est un outil qui marche très bien quand on est en one-to-one, avec personne par avec personne, qui marche très mal dès qu'on est à plusieurs. Les gens, en fait, depuis 40 ans, essayent malgré tout de le faire parce que bah, c'est quand même bien pratique, c'est un outil que tout le monde connaît. Donc, chacun va imaginer un peu sa solution, genre, et globalement, ça va être on envoie des mails en mettant plein de gens en CC, plein de gens en BCC, et à l'inverse, on reçoit plein de mails où en gros, on les reçoit juste au cas où ça pourrait éventuellement nous intéresser. Et du coup, nous, on a rebâti à zéro une infrastructure pour gérer des mails qui permet en fait à plusieurs personnes de se brancher la même boîte mail. Donc ça permet, typiquement sur des boîtes comme Contact, Sales, Jobs, donc des boîtes où plusieurs personnes sont susceptibles de répondre, de travailler à plusieurs dessus, de s'assigner en temps réel des conversations, de faire des commentaires. En gros, simplement d'apporter des outils qu'on a sur tous les autres outils de communication dans le mail. Donc,
Quand je l'explique comme ça, on voit bien que c'est un produit qui s'adapte très bien à Node, mais qui amène plein de problèmes de concurrence et certains problèmes de charme. Donc, la première application, ça va être de pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on a baissé les lentes. Tout bêtement, ce que vous pouvez faire, c'est, comme vous avez un domaine, vous pouvez au fur et à mesure de l'exécution d'une requête enrichir votre domaine. Et tout bêtement, vous pouvez vous faire un système pour mettre des timestamps et savoir à la fin de l'exécution d'une requête où est-ce qu'il a passé du temps. Bah, c'est bête, mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de passer un espèce de paramètre fantôme dans toutes vos requêtes pour pouvoir aller accrocher vos timestamps. Vous pouvez le faire tout au fond d'un de vos contrôleurs. Vous pouvez dire « je retrouve mon domaine courant que vous allez sortir d'un chapeau, je lui accroche un nouveau timestamp et je continue ». La deuxième grosse application, c'est détecter des mémoires leaks. Pour vous expliquer un tout petit peu comment est structuré Front techniquement, en gros, on a trois gros composants. Le premier, c'est une API toute bête. Et dans ce cas-là, les domaines, ça va être un domaine par requête. Le deuxième, c'est un gros système de file d'attente, donc avec des workers qui dépilent en permanence des jobs. Et là, on a un domaine par worker. Et le troisième domaine, c'est on a des fers de serveurs qui sont connectés à Gmail pour avoir des notifications dès qu'un nouveau mail arrive. Et donc, on a en fait des milliers de connexions qui sont maintenues ouvertes en permanence, qui permettent d'avoir de savoir quand un utilisateur reçoit un mail. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a une petite astuce, c'est qu'on a deux domaines. C'est-à-dire que la connexion, elle tourne dans un domaine. Donc, si jamais elle devait générer une erreur, on pourrait savoir « bonjour ». On pourrait savoir Non, ça c'est à moi, tu peux le laisser. On peut savoir bon, quelle connexion a généré le problème. Si elle doit interagir avec le reste du serveur, alors dans ce cas-là, on rentre dans un deuxième domaine qui lui va vivre très peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est capable d'avoir un cycle de vie pour chaque domaine et on peut accrocher chaque objet qu'on va allouer à un domaine. Et donc l'intérêt après c'est que quand on a fini de servir mon domaine, par exemple quand on a fini de répondre à une requête, on va marquer le domaine comme étant fermé et à chaque fois qu'on va interagir avec une donnée, on va pouvoir vérifier si elle est accrochée à un domaine qui est fermé, et du coup on va pouvoir savoir est-ce qu'il y a un leak quelque part, parce que cette donnée-là ne devrait plus du tout être en mémoire. L'intérêt, c'est que vous pouvez en fait détecter le leak vraiment au moment où il se produit, parce que vous allez avoir une assertion, où vous allez vous dire « attendez, cet objet est accroché à un domaine qui est fermé, donc ça ne va pas ». Et vous allez pouvoir soit planter le serveur en disant « là, il y a un problème ». Enfin, vous allez vraiment pouvoir avoir des outils qui vont pouvoir recréer du contexte et qui vont vous permettre d'avancer. Le dernier truc que je vais vous présenter, qui est un truc qu'on a introduit il y a quelques mois, qui est assez sympa, c'est un système de debug event. En gros, dans Front, on a un système de ressources, tout bêtement, c'est-à-dire qu'on a une classe autour de chacun de nos modèles. Et quand on va prendre un objet, genre une conversation, un client mail, on va pouvoir modifier des données dedans, puis les sauver. Quand on va sauver ces données, à un moment donné, on va appeler un truc qu'on appelle la commande, qui va nous permettre d'empiler des événements. Et derrière, on va avoir des workers qui vont s'intéresser au changement d'état de nos ressources. Par exemple, s'il y a un message qui change les données dans un message changent, on va avoir le moteur d'indexation de recherche qui va réindexer le message. Le problème, c'est que de la manière dont certains trucs passent, certaines ressources peuvent être modifiées plusieurs fois dans une requête. Et on se retrouve à envoyer ces événements-là plusieurs fois, et du coup on va avoir le moteur de réindexation qui va se lancer plusieurs fois, alors que bon, la ressource on la modifie une fois, puis juste après on la modifie une deuxième fois. On pourrait se dire que c'est une optimisation, il y a des trucs qui sont faits en trop, mais c'est pas très grave. Le problème, c'est que souvent ça va déclencher des événements en WebSocket qui vont mettre à jour les applications des utilisateurs, et ça va déclencher des glitches. Ce qui est rigolo, c'est que nous, la partie web, elle est faite en Angular, et Angular, en fait, apporte des solutions pour justement éviter ça. Si vous ne connaissez pas Angular, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est un truc qui peut être assez embêtant, parce que c'est un problème que moi j'avais quand je faisais du backbone, et qui du coup revient. Et alors la technique qu'on a, c'est simplement
quand on fait un command queue, au lieu de le faire immédiatement, on le marque dans le domaine, et quand le domaine se ferme, bah, on peut dédupliquer tous les événements qui étaient censés être envoyés et les envoyer qu'une seule fois. Et ce qui est sympa, c'est que quand on manipule nos données, on peut empiler les événements qu'on a envie. On sait qu'ils ne seront jamais empilés qu'une seule fois par domaine et ils ne seront jamais envoyés deux fois. Et là encore, le truc intéressant, c'est que le fait de dire à Node comment votre app fonctionne et quels sont les groupements logiques entre les tâches que vous lui faites faire, ça permet à la fois d'améliorer votre sécurité, mais ça permet aussi de réutiliser ça en permanence en disant ben voilà, ça je voudrais le faire qu'une seule fois, ou bien cet objet-là il n'est plus du tout censé être en mémoire. Voilà, c'est quelque chose qui, je pense, n'a pas forcément sa place au début d'un projet, mais il faut détecter à quel moment est-ce que ça devient important, à quel moment est-ce que le projet devient trop important, et introduire ça. Voilà, juste pour conclure, les domaines, c'est un truc utile. Il y a d'autres systèmes, par exemple, il y a des librairies sur des promesses qui peuvent vous rattraper pas mal d'erreurs. Il y a d'autres technologies qui sont un petit peu connexes à ça. Je pense que, en tout cas, pour, disons, documenter son app et pouvoir comprendre mieux comment elle fonctionne, à partir d'un certain moment, les domaines, ça devient quelque chose d'indispensable. Voilà, je crois que c'est la fin. Et est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Tu peux répéter les questions maintenant comme ça. Tu parlais des promises. Je me demandais justement l'intérêt, parce que quand tu utilises les promises, tu as l'intérêt à utiliser quel domaine ou ça va faire en gros. Alors, la question c'est, si on utilise des promesses, est-ce que c'est utile d'utiliser des domaines ? Alors, ma réponse c'est oui. Je suis passé un petit peu vite là-dessus, mais en gros, l'un des problèmes que vous allez avoir avec Node, l'un des problèmes les plus évidents qui va vous arriver, c'est que vous n'avez pas vraiment de stack trace. C'est-à-dire, si vous avez une erreur, vous ne pouvez pas tellement savoir d'où elle vient. Pourquoi ? Parce que la stack trace, en fait, ne remontera qu'au dernier call asynchrone. Ce qui fait que si vous avez votre middleware qui fait 10 calls sur des bases de données avec le 11e casse, bah, il pourra vous dire en gros ce qui s'est passé entre le 10e et le 11e, et il ne pourra pas du tout vous dire ce qui s'est passé avant. Il y a des librairies de promesses qu'on peut configurer, et on peut leur dire, déjà, elles vont pouvoir traquer des choses à chaque fois qu'elles revrappent des événements asynchrones. Elles vont pouvoir aussi capturer un peu plus d'erreurs. Je pense que pour trouver une partie de ce qu'offrent les domaines avec des librairies comme Bluebird par exemple, après la vraie connaissance, nous en fait on s'en sert pour retrouver, disons, les features de sécurité, de retrouver une stack trace, disons, ça marchera. Après, pour pouvoir de manière arbitraire se dire, tiens, cette donnée-là, j'aimerais bien, pour toutes les requêtes, l'avoir une seule fois, je pense qu'on finit soit par utiliser le domaine sans s'en rendre compte, parce qu'il y a certaines lignes de promesses qui se passent derrière sur le domaine, soit utiliser soi-même carrément des domaines. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Petite question, est-ce que tu as réalisé des trucs basés sur des domaines, genre des lignes comme ça ? Ou pas du tout ? Sur NPM, non. Non, enfin, on a réalisé des trucs, mais pas sur les pas qui utilisent des domaines. Les domaines, en fait, ça reste quand même quelque chose. D'un petit peu. Enfin, c'est assez facile de faire des bêtises dans les domaines. Du coup, nous, notre code, il fonctionne bien. Alors, je sais que c'est un peu inquiétant de dire comme ça, c'est un truc que j'explique. Enfin, une fois qu'on a compris comment ça marchait, on ne s'est pas piégé, c'est un truc que j'explique dans mon article. Mais pour répondre à tes questions, on n'a rien réalisé sur les domaines. Est-ce qu'on a terminé ? Bon, merci à tous.